Marilène Bergman, bonjour. Dans quel cadre êtes-vous à Puttelange-lès-Thionville ce dimanche? Ah, bah, je suis venue à l'invitation de mon ami Mo Morrison pour son vernissage. Enfin, c'est pas vraiment un vernissage, mais il y a toujours des nouvelles toiles. Mais en fait, c'est le premier anniversaire de la création de son atelier, donc voilà. Vous êtes vous-même artiste, hein, d'ailleurs. Oui, mais je dois dire que j'ai mis ça entre parenthèses pendant quelques mois maintenant, enfin même 3 ans depuis que j'ai repris la télévision. Et je vais bientôt reprendre parce que j'ai décidé de prendre un congé sabbatique. Donc voilà, je vais avoir le temps maintenant de m'y remettre. Mais c'est vrai que les dernières années, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé sur les toiles et les pinceaux. Y a-t-il d'ores et déjà des expos de planifiés? Alors là, je n'en sais rien encore parce qu'il faut déjà que je me mette à peindre. Les expos, elles viendront plus tard, hein. Vraiment plus tard. On peut également vous retrouver très régulièrement sur Mirabel TV. Oui. Les émissions à revoir en podcast. Il y a des... Alors, tout est en replay sur le site de Mirabel TV, donc il suffit d'aller sur mirabel.tv et puis il y a toutes les émissions qu'on peut visionner depuis 3 ans. Et vous avez reçu Samuel Hazard. Exactement, avec grand plaisir, le maire de Verdun, oui, Vous il était êtes là. toujours attaché à la ville de Verdun, d'ailleurs. Ah, tout à fait, je ne perds jamais une occasion de rappeler que j'ai des origines verdunoises et voilà. Et puis j'y retourne un peu moins maintenant, c'est vrai, mais je suis toujours ravie d'y retourner en tout cas.